Je suis très satisfaite de l'accueil que j'ai eu lors de ma réservation. La personne était consciencieuse, très disponible et elle m'a donné toutes les informations nécessaires. J'espère que les vacances seront aussi bien. Professionnaliser certains collaborateurs sur vos produits et outils informatiques, c'est très bien. Mais c'est pénible de perdre du temps avec quelqu'un qui ne maîtrise pas. La conseillère a été très agréable, a répondu à toutes mes questions avec le sourire et de façon très professionnelle. Elle a donné suite à mes questions par email. Elle m'a aussi très bien conseillé sur les tarifs, l'hébergement. J'ai voulu réserver mon voyage sur le site Marmara, mais le site a bugué. J'ai dû appeler Nouvelle Frontière et j'ai eu une facture de téléphone de 15 euros. Nous sommes un couple de plus de 80 ans qui ne peut programmer longtemps à l'avance ses séjours. Nous apprécions de pouvoir réserver une destination au dernier moment. Clients de Marmara depuis très longtemps, nous sommes satisfaits de nos vacances, quelles que soient les destinations que nous avons choisies jusqu'ici. Les prix qui font le yo-yo. Pourriez-vous prévoir des départs de Brest ? Je suis un client fidèle sur toutes vos destinations. Un séjour magnifique dans un hôtel, certes avec le confort minimum, mais pour nous tout à fait suffisant. Un panorama sublime et une équipe géniale. Que ce soit à la restauration, au ménage, au bar, à l'accueil, des personnes très disponibles. Une mention spéciale à Ronald pour la qualité de l'animation. Ils mettent l'ambiance sans trop insister ni trop en faire. Bref, de vraies vacances. Même si les conditions du contrat de vente Marmara le mentionnent, il est inacceptable de décoller à 00h30 et de libérer la chambre le jour du départ à 11h maximum. Marmara optimise le remplissage au détriment du client. Cette pratique est propre à Marmara. Présence sympathique de l'équipe d'animation à l'arrivée sur site ainsi qu'au moment du départ. Leur disponibilité et leur cordialité ont été un plus. Les formalités d'arrivée ont été vite effectuées et sans trop d'attente. L'organisation est rigoureuse, rassurante et nous convient. Notre groupe comptait trop de personnes, 53. Et nous étions obligés de partir en excursion avec un second groupe. Trop d'excursions à payer en plus sur place. Environ 590 euros par personne. Nous avons eu un hôtel à San Francisco, Regency Inn, dans un quartier vraiment très mal fréquenté, entre alcooliques, dealers et SDF, ce qui nous a empêchés de sortir le soir pour le dîner libre. L'ensemble du circuit Approfondir, Cap sur les Pouilles, était très bien réalisé et très complet, avec une fiche technique très explicite. La guide était parfaite, parlait très bien le français et nous expliquait bien l'histoire de la région.